Eh bien, bonjour à tous, ici c'est Stéphane pour la chaîne Guitare et nous allons parler aujourd'hui de plectre. Comme l'a rappelé PV Nova, un plectre, c'est le mot ringard pour désigner un médiator. Alors, je vais vous parler de médiator aujourd'hui parce que j'ai eu en essai des médiators de chez Chicanpix que je vais donc vous décrire. Mais avant ça, je voulais parler des médiators en général par rapport à mon usage, donc mes goûts perso, évidemment, qui ne sont pas ceux de tout le monde. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé la guitare, je suis arrivé donc avec ceci. Mon prof de guitare a vu ça, il m'a dit feignasse. Donc, je vais vous montrer tout de suite mon médiator ou plectre de référence avec lequel je joue la plupart du temps. Quand je dis la plupart, c'est 80% du temps. C'est le Jim Dunlop 2 mm qui est en plastique, qui a ce petit côté antidérapant. Comme je fais du jazz pour les sourds, lorsque l'on gratte en aller-retour, il tient bien en main. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. J'ai également utilisé des petites choses, parce que voilà, c'est collector, et puis il faut gratter un peu avec, on a l'impression d'être quelqu'un. Après ça, j'ai découvert pour moi ce qui est le médiator le plus confortable, c'est le Niglo. Le Niglo, donc ici le modèle en bronze. On voit la forme ergonomique, il se place directement entre les doigts, c'est super agréable, c'est très confortable. Alors le bronze, le corne, le bois, je ne sais plus lequel, mais très bien, le plastique. Et c'est vraiment, vraiment très agréable. Merci encore Daniel pour ce que tu fais parce que c'est vraiment super agréable. Mais malheureusement, inconvénient pour moi du Niglo, c'est lorsque justement je fais un petit peu de jazz pour les sourds, en aller-retour, le médiator sur certaines rythmiques un peu rapides a tendance à glisser. Et malheureusement, il m'a déjà glissé des doigts en plein jeu. Je vous mets au défi de faire du Lamb of God juste avec les doigts. Donc tout ça pour en venir au Chicanpix. Alors Chicanpix, c'est quoi? Chicanpix, c'est ça. Donc un médiator qui a une forme de médiator. Épaisseur variable, mais de manière générale, ce sont des pavés. Donc forcément adapté à mes goûts puisque je joue déjà avec des médiators épais. Alors j'ai un 2,2, un 2,6 en grand format et un 3,5 en plus petit format. Alors quand je dis plus petit format, en réalité, c'est la taille du Dunlop. Oups. Voilà, on voit à peu près, je me place, voilà. On voit à petit peu près, c'est la même taille. En termes d'épaisseur, ça n'a rien à voir. 3,5, c'est vraiment très épais. Par contre, très agréable à tenir. On tient de la matière. Moi, je trouve qu'il tient extrêmement bien en main. Alors, la particularité de ces médiators, c'est donc l'épaisseur, la rigidité. C'est du plastique thermoformé ou thermomoulé. J'ai pas bien compris le terme en anglais, mais c'est thermofabriqué, voilà, avec un biseau. Alors, je vais le montrer, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Voilà. En fait, les médiators sont biseautés et plus fins sur l'avant. Voilà. Ce qui amène vraiment un confort de jeu. Moi, je trouve qu'il y a une glisse sur les cordes, une accroche qui est vraiment sympathique. Et la matière, elle est douce, mais en même temps, elle agrippe. Donc, ça ne glisse pas, on peut jouer, ça ne bouge pas. Alors j'ai joué avec quand même quelques jours. J'ai découvert une préférence pour moi pour le 2,6 en grand format. Alors j'aurais aimé presque un 3,5 en grand format parce que le 3,5 tient vraiment bien en main. Par contre, le format un petit peu plus grand, je le trouve pour mes goûts plus agréable. Mais ça reste.
je trouve un très très bon produit, surprenant. C'est le toucher en fait de cette matière qui est assez agréable. Donc moi je trouve que c'est vraiment un super produit et moi j'y ai pris gros. Donc pour le moment c'est le 2,6 grand format qui va remplacer mon Dunlop fétiche. Qui va aller se reposer un petit peu. Voilà, donc Chicken Pix, si vous voulez plus d'infos sur www.chickenpix.com, il me semble, Chicken Pix dans Google, vous trouverez, Chicken comme poulet, Pix comme Mediator, tout attaché. Et voilà, donc encore merci Pierre pour que je puisse réaliser ce test, j'adore. Merci pour les podcasts et jouez bien de la guitare et à très bientôt. Ciao, bye bye.